C'est toi qui voulais manger du moka. En effet, il est splendide. Ils sont chouettes. Bah quoi? On ne s'occupe pas de nous? Messieurs, dames? Nous venons pour dîner. Je regrette, messieurs, dames, mais j'ai plus de place. Vous avez les tables là? Tout est retenu. Dans ce cas, on pourrait peut-être prendre l'apéritif en attendant qu'il y ait une table de libre. Vous feriez mieux d'aller dîner chez Victor. Victor? C'est un excellent restaurant. Mais c'est juste en face, il y a que la rue à traverser. Salut, Joe. Une espèce de grande fumée qui monte dans la tête et puis qui déforme tout. Quand je suis comme ça, je suis comme un chien enragé qui a envie de mordre. Séverine, il faut pas m'en vouloir si je suis violent. C'est parce que je t'aime. Allô, hôtel. On sait un peu trop sur certains mecs et pas assez sur d'autres. Non, Max. Pourquoi tu te mêles, toi, hein? Connaissance, tu fais. Tenez. J'ai toujours été battu. Quand je faisais du Cave France, mon ami qui était chanteur de charme, il me giflait parce que j'avais plus de succès que lui. Avec une tête à claque. Thank you.
Appelle-le. Qui vient ici. J'ai oublié son numéro. Sans confondre avec Eva qui entre dans votre bureau en marche arrière. J'en crois pas, moi. La femme blonde que vous avez chargée le 8 décembre à 23h45 est ici. La connaissez-vous? J'avais une escarbille dans l'œil et ça me faisait mal, alors pour faire attention. Une beauté, ma Caroline. Et tu connais la règle. Tu me plais, tu sais. T'es belle. Puis avec toi, c'est comme si j'étais à Paris. Avec toi, je m'évade, tu saisis. Tu me changes de paysage. Vois-tu devant nous maintenant, c'est barré. Nous n'irons pas plus loin. Où est-il, mon moulin, la place blanche? Mon tabac, mon bistrot du coin. Tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusets? Leur java au son de l'accordéon. Où sont-ils tous mes repas sans galette? Quand je bouffais, même sans avoir un rond, où sont-ils?